à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reprends avec une extrême vidéo motivation. Elle est ultra longue et comme je vous ai dit sur Instagram, je m'excuse, elle est vraiment trop longue. Donc on va commencer de suite. On va être dans la chambre d'Aiden. J'ai récupéré ce petit trolley, je sais même pas comment ça s'appelle en français. Je sais que quand j'ai acheté à Action, il y avait écrit trolley. C'est trois petites étagères sur roues dont je me servais en fait dans la salle de bain pour mettre mes serviettes. J'ai changé le rangement, je vous montrerai juste après. Donc du coup, bah, je l'ai récupéré et je vais mettre les couches et tous les produits d'Aiden dedans puisqu'en fait, dans sa table allongée, il avait une planche et maintenant elle est trop basse en fait. Il a deux doigts de se taper la tête à chaque fois. Donc du coup, j'ai enlevé cette planche et je vais utiliser ce petit trolley pour mettre les couches. Donc voilà, je vous montre comment je fais. J'ai utilisé les couches de chez Little Big Change. Me les ont envoyés, donc du coup je vais les tester avant de vous en parler pendant un petit moment. Donc voilà, c'est pour ça que vous allez voir que leurs couches, en plus je les trouve trop mignonnes. Donc voilà, ça va être que ça dans le trolley plus 2-3 produits qu'ils m'ont envoyé. Bon, du coup, sur la tablette du haut, j'ai mis vraiment ce que j'utilise au quotidien pour Aiden. Donc forcément, les couches, les lingettes. Après, au niveau des soins, il n'y a pas grand-chose. Il y a son gel pour les dents avec l'espèce de petite brosse à dents que j'utilise pour lui passer dessus. Là, c'est son parfum Zara. Il m'en reste plus trop. C'était mon ami qui me l'avait offert. Il sent trop bon. Du coup, il faut que j'aille lui en racheter un. En tout cas, celui-ci, pour les bébés, c'est vraiment... il sent trop bon. Ensuite là-dedans il y a son eau nettoyante que j'utilise pour mettre sur ses cheveux en fait pour lui faire friser. Et en fait ce qui me reste sur les mains à chaque fois je lui mets sur ses vêtements pour que pareil ils sentent bon. Donc c'est celle de chez Stokomani que j'utilise. Ensuite là il y a son petit baume pectoral, c'est parce qu'en ce moment il tousse beaucoup, il est un peu encombré donc voilà on lui met un peu de ça. Faut pas excéder plus de 5 jours. Du coup je le laisse toujours à portée et je fais quand même des pauses entre temps mais voilà comme ça au moins je l'ai à côté de moi. Ici c'est sa crème quand il a des problèmes au visage, donc c'est la Xeracalm de chez Aven que j'aime beaucoup donc je l'ai toujours à portée de main. Là ça va être sa crème hydratante que je lui mets principalement sur les jambes parce que tous mes enfants ont les jambes ultra sèches. Donc voilà pour Aiden j'utilise pas une crème normale, je prends vraiment la baby et c'était la bio donc je suis tombée là dessus mais c'était vraiment au rayon bébé que je suis allée la prendre. Et là on va avoir la crème pour le change qui vient du coup dans le paquet avec les couches. C'est quand du coup il a le siège irrité, je lui en mets en couche quand même assez épaisse et souvent la nuit. Comme ça, ça a le temps de bien rentrer dans la peau pendant le sommeil. Vous pouvez en mettre dans la journée mais vraiment la nuit ou alors au moment de la sieste quand vous en mettez vraiment en grosse couche. Je vous jure que ça marche trop bien, le lendemain il n'y a vraiment plus rien. Et comme je vous ai dit, la petite planche qu'il y a au milieu, je vais l'enlever puisqu'elle est trop basse par rapport à la tête d'Aiden. Et je vais en profiter pour faire un petit coup de ménage et enlever la poussière qu'il y avait au-dessus. Et voilà ce que ça donne pour la petite chambre d'Aiden. Il y a juste un bug au niveau de la table allongée là où j'avais mis le marbre, mais ça je rectifierai par la suite. Mais sinon je trouve que le rendu est plutôt sympa avec toutes les couches. Et maintenant on va passer à la partie organisation de sa commode. Donc je vous avais déjà montré que j'avais ces boîtes en plastique pour ranger ses habits et du coup j'ai acheté des nouveaux organisateurs de tiroirs chez Lidl, sauf qu'il y en a qui sont trop bien donc c'est ceux-là, mais ils ne rentraient absolument pas dans ma commode à moi, j'étais dégoûtée.
Et vu que ça s'achète par lot de deux, donc il y a une autre boîte plus cet organisateur-là, ben, j'avais pas le choix en fait de les garder puisque j'avais besoin de l'autre boîte. Donc ben, j'en ai profité pour les mettre dans la commode d'Aiden puisqu'il rentre pas parfaitement hein, à quelques centimètres près comme vous voyez, c'est un petit peu gondolé les bords mais bon c'est pas grave. En tout cas ils sont ultra pratiques, je les ai pris chez Lidl la semaine dernière et ils sont à 9€ le lot de deux. Ensuite, on va passer à l'organisation de mes vêtements à moi. Donc, sous ma vidéo rénovation de la chambre parentale, vous avez été énormément à me demander ce que j'avais fait en fait de mon dressing. Donc, je l'ai viré et je l'ai mis directement dans la salle de bain. Et donc, forcément, il me reste tous mes habits. J'avais tout mis en sac poubelle. Donc là, il va falloir tout enlever, tout trier, ce qui est trop chaud pour la saison que je vais mettre dans des sacs à aspirer. Ce que je ne veux plus, que je ne porte plus et qui m'encombre pour rien, je vais mettre dans un sac et je vais donner dans la benne de dons à vêtements. Et je vais faire ça du coup pour tous mes habits. Finalement, j'ai pas donné énormément parce que j'avais déjà fait un gros tri avant. Mais c'est toujours bien de faire un tri, surtout là avant le printemps. Des fois, il y a des choses qu'on s'obstine à garder qui servent strictement à rien et surtout qu'on ne met pas. Ou alors maximum une fois par an et c'est pas le but de garder des habits pour garder des habits. Donc voilà les fameuses boîtes qui étaient vendues avec l'organisateur de tiroirs et celles-ci elles vont être parfaites pour ma commode qui est vraiment peu profonde. Donc je vais utiliser la méthode de Marie Kondo pour pouvoir plier mes habits et pouvoir les rentrer pas intégralement dans ma commode mais une très grande partie, on va dire 75%. C'est une technique très simple, vous allez voir, chaque vêtement en fait il faut le plier de sorte à pouvoir le replier en trois fois sur lui-même et qu'il ait en fait cette forme carrée. Et à la base en fait sa méthode est faite pour pouvoir laisser les habits et qu'ils tiennent seuls. Donc moi j'ai pas la technique super top, donc ils ne tiennent pas forcément seuls, mais dans une boîte vous voyez ça va très bien en fait. Moi ce qui m'a importé c'était d'avoir la forme carrée comme ça et surtout toute petite, très compacte. Après qu'ils tiennent sur eux-mêmes ou pas, sincèrement je m'en fichais puisque c'était dedans. Mais vous voyez une fois que tout est rangé, ça fait vraiment clean et bien compact. Et pour les habits que je ne mets plus puisque ben, ils sont pas de saison, je vais utiliser ces sacs là que j'ai pris chez Stokomani pour 10€. Ce sont des sacs en fait qu'on aspire pour enlever tout l'air et qu'ils soient ultra compacts. Ils sont vraiment pas chers, il y a plusieurs tailles. Moi j'ai pris les plus petits pour que ça puisse rentrer dans ma malle, je vous montrerai juste après. Et c'est vraiment pratique pour les gros pulls en fait, comme vous voyez en laine et tout, ça prend vachement de place. Et une fois que c'est aspiré, ben, ça devient quasiment tout plat. To settle down, day nights and late nights don't kid around, but there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you I like.
get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle. Je vous retrouve en direct de ma commode. Donc j'ai enfin rangé tous mes habits dedans et je sais que ça vous a grave perturbé. Vous étiez là à me dire mais il est où ton dressing et tout. Donc du coup là vous allez enfin voir comment j'ai fait le rangement. Il n'y a pas tout dans la commode, de toute façon je vous expliquerai juste après où est-ce que j'ai mis le reste, mais il n'y a pas grand chose. Mais vous allez voir que vraiment cette méthode de Marie Kondo où vous pouvez mettre mais plein de choses dans un tout petit espace, un espace réduit, parce qu'en plus les tiroirs de ma commode sont petits et pas du tout profonds, ni en profondeur au fond de la commode, ni en hauteur on va dire. Ils sont vraiment pas du tout profonds et j'ai réussi à mettre vraiment pas mal de choses, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer du coup en détail. Donc on va commencer par le premier tiroir. Donc ici j'ai mis tout ce qui est petit pull en fait que je peux mettre au printemps, qui est chaud mais pas trop chaud non plus. Ici j'ai mis tous les chemisiers, donc vous voyez quand même il y a vachement de choses dedans alors qu'ils sont vraiment tout petits. Dans ce tiroir là j'ai mis tous les sweats, donc là ils sont tous là avec ces deux là, et ça c'est deux pantalons, donc celui-là va avec ce sweat là et celui-là il n'y a pas la veste, je le mettrai dans un autre endroit, je vous montrerai, mais du coup il y a le bas. Dans ce tiroir là vous allez avoir du coup mes pantalons avec mes jupes, donc ça c'est vraiment les pantalons à part ces deux là qui sont des leggings mais qui sont vraiment épais et c'est des couleurs quand même particulières que je mets pas forcément tous les jours, donc on va dire que là voilà c'est vraiment les pantalons et j'aurai un autre endroit où je mets mes leggings parce qu'en fait tous les jours quasiment je mets des leggings, c'est très rare que je mette des pantalons, c'est pour ça que j'ai fait un grand tri, que j'en ai viré plein parce que ceux là je dois les mettre deux fois max par an, j'en mets vraiment très peu. Par contre les jupes je les mets quand même assez souvent, donc là c'est mes jupes d'automne et d'hiver et forcément quand je passerai aux vêtements d'été, je mettrai tous les affaires d'été et ça j'enlèverai. Mais voilà, là c'est vraiment automne et hiver. Ensuite, on passe à droite de la commode. Et ici, désolée pour les cris d'Aiden derrière. Et ici, c'est vraiment le tiroir où il me reste vachement de place. Donc là, c'est les petits t-shirts. Comme vous voyez, j'en ai pas énormément. Donc ça me montre aussi ce qu'il faut que je rachète. J'en ai vraiment pas beaucoup. Là, ça suffit pas en sachant que je mets très souvent des t-shirts. Et après, je mets un cardigan par-dessus. Donc vous voyez, j'ai vraiment rien. J'ai vraiment fait un gros tri de ce que je mettais pas. Donc je vais essayer de me retrouver des basiques. En tout cas, j'ai de la place ici et ici. Donc c'est bien. Et là, au fond, j'ai une toute petite place si jamais je veux pousser le bac jusqu'au fond et me laisser de la place là, sait-on jamais si j'en ai vraiment trop, mais voilà. Dans ce tiroir là du coup ça va être les cardigans, donc je sais pas si on voit au fond, j'en ai deux noirs pour vous dire, comme c'est pas trop profond je peux carrément même pas ouvrir le tiroir jusqu'au bout, mais voilà ils sont tous là et c'est vraiment ce que je mets le plus souvent. J'ai gardé ceux là, bon celui là il a quand même des trous donc ça fait vachement été, et celui là c'est vraiment une grosse maille mais je le mets même au printemps parce que comme je vous ai dit je mets soit un débardeur soit un petit t-shirt et je le mets, et voilà ça c'est les cardigans que j'utilise le plus. J'en ai un orange aussi, je vais voir si je peux pas le caler ici en poussant un petit peu et je le mets ici, mais voilà, comme quoi on peut quand même rentrer des pièces quand même assez grosses dans des tout petits tiroirs, il suffit de vraiment bien les plier. Et enfin, dernier tiroir ici, vous allez avoir toutes mes robes, donc il y en a quelques-unes là-bas au fond. Comme je vous ai dit, je peux pas ouvrir le tiroir en entier, mais voilà, ça c'est toutes mes robes d'automne et d'hiver. Donc forcément, quand on va passer à l'été, je vais toutes les enlever. Je crois qu'il y a que celle-ci que je peux mettre, celle-ci et celle-ci. Ouais, ces trois-là, et peut-être un peu celle-là pour l'été, mais sinon tout le reste va partir et je mettrai celle d'été, mais vous voyez, j'arrive quand même à en mettre pas mal. Ici, il y en a quatre parce qu'il y en a une au fond. Là, il y en a une, deux, trois, quatre, je crois qu'il y en a deux, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc vous voyez, il y a 12 robes ici qui rentrent dans un petit tiroir. Je suis vachement contente, j'ai pu mettre le maximum de choses dans cette toute petite commode. Et j'avais fait exprès de prendre cette commode parce que je voulais vraiment qu'elle soit pas large du tout. Comme je vous avais expliqué dans ma vidéo, je vous la mettrai dans le petit i quand j'ai refait ma chambre. Je pensais que en fait, entre la commode et le lit, j'allais même pas avoir cet espace là. Je pensais en fait l'espace, vous voyez, du tabouret là. Je pensais vraiment qu'il y aurait que ça, donc j'avais pris une commode vraiment très petite. Je crois qu'elle fait que 40 cm de profondeur. Et je sais pas si vous allez bien voir, là il y a le plateau qui sort.
et là aussi. Donc en fait, en soi, le tiroir vient de là à là. Et ça doit faire peut-être 35 cm. Ouais, je pense que c'est ça. Ça a l'air d'être la longueur d'une règle qu'on avait à l'école. Donc vous voyez, c'est vraiment pas du tout profond. Et pourtant, j'ai réussi à vraiment mettre beaucoup de choses. Je suis vraiment contente, surtout ce tiroir-là. Avec des pantalons, c'est vraiment pas facile de réussir à mettre autant de pantalons et de jupes dans un si petit tiroir. Mais j'ai réussi parce que vraiment cette méthode Marie Kondo, elle est vraiment top et je vous la conseille. Vous allez voir, c'est un gain de temps, que ce soit pour vous, pour votre mari, pour vos enfants. Un gain de temps, un gain de place, parce que vous triez du coup vos habits. Vous avez des tiroirs pour chaque type d'habit et en fait c'est un pliage simple que vous faites pour tout le monde. Parce que je sais pas vous, mais moi passe un moment j'avais un pliage pour Maddy, un pliage pour Noé, un pliage pour Aiden, un pliage pour moi. Enfin c'était une galère. Là au moins c'est un pliage universel, on va dire entre guillemets. Vous avez tous le même pliage et vous allez pouvoir rentrer au maximum de choses. C'est pour ça que je fais cette méthode aussi pour les enfants. Et je trouve qu'en fait quand on ouvre le tiroir, c'est ultra satisfaisant d'avoir des choses si bien rangées, hein, clairement. Vous ouvrez comme ça et que vous avez tout à portée de main, que vous pouvez voir quels sont du coup les habits que vous voulez. Parce que c'était le problème aussi dans le dressing, c'est que j'avais des choses sur cintre. Et le problème du cintre, c'est que ça prend la poussière, à moins d'avoir une armoire fermée, mais moi je pouvais pas avoir une armoire fermée, ça aurait fait trop ma stock dans la chambre. Et quand on plie les uns sur les autres, ça a tendance à glisser, d'autant plus les chemisiers comme ça, ça glisse vachement. Donc là dans un tiroir c'est mille fois mieux. En plus ça fait fermé, ça fait propre, enfin voilà, personne, enfin j'allais dire personne se doute de ce qu'il y a dedans, si on se doute bien qu'il y a des habits, mais ça fait propre. Comme ça, si quelqu'un est à la maison et tout, il n'a pas vu sur tous vos habits. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les dressings, qui adorent mettre leurs habits et que tout le monde les voit. Moi, c'est pas trop mon truc. Je préfère m'habiller, en fait. Je préfère qu'on voit les habits sur moi plutôt que dans mon dressing. Donc, ça me dérange absolument pas de tout empaqueter comme ça et de tout mettre en tiroir. Du coup, pour ce qui est de la malle, je ne l'ai pas complètement fermée pour pouvoir l'ouvrir à une main. J'ai mis du coup les vêtements que j'utilise le moins. Donc là en l'occurrence tout ce qui fait partie de l'hiver, les gros pulls et tout, je vais pas remettre. Et comme je vous ai montré, j'ai tout mis sous vide. Désolée pour le bruit. Et vous voyez, ça prend le minimum de place. Donc là il me reste encore tout ici pour pouvoir en mettre. Et même là sur la hauteur, je sais pas si vous voyez, il me reste... je pense que je peux encore en mettre un. Donc vous voyez, j'ai vachement de place en utilisant ces rangements là, tout en gardant une chambre simple et pas surchargée. Bon, me voilà rentrée à la maison, donc j'ai acheté les serviettes et je voulais du coup vous montrer comment je vais fonctionner. Alors validément on va avoir les mêmes serviettes, donc c'est un gris, là ça paraît un peu blanc bizarre mais c'est un gris très clair. Je pense peut-être aussi prendre du blanc pour nous, on verra. Donc j'ai pris 3 grands draps de bain et 3 petites serviettes, plus de l'eau de 3 à chaque fois, gants, donc il y en a 6 en tout. Donc c'est vraiment pour le matin, le soir, se débarbouiller. Et après le reste des serviettes. Là ça fait pas beaucoup donc je vais voir. Après on a 2 autres draps de bain blancs qui sont vraiment top. Donc je vais les rajouter avec. Et on verra si ça nous suffit sur la semaine. Ou si on a des ruptures entre guillemets. Donc du coup j'en rachèterai. Et pour les enfants pareil, je suis partie sur une première base. J'ai replacé les serviettes parce que je les avais pas mis pareil. Ça m'a grave stressée quand j'ai commencé à filmer. Du coup, je disais pour les enfants, je vais vous montrer l'organisation que j'ai décidé de faire. Donc pour l'instant, il n'y a que Noé et Maddy. Aiden, il est encore avec ses capes de bain. Et quand il sera plus grand, il sera dans la même organisation. Donc pour l'instant, j'ai pris que un grand drap de bain pour chacun, plus 2 petites serviettes et les gants, pareil, eux beaucoup parce qu'ils en ont besoin chaque matin, chaque soir pour se débarbouiller. Donc je vais voir déjà si au niveau des 3 serviettes ça suffit ou s'il faut que je rajoute soit un drap de bain, soit une autre petite comme ça, je vais voir. Je leur ai pas pris la même couleur pour la simple et bonne raison que c'est une astuce que j'avais vue une fois dans des trucs de famille nombreuse il y a super longtemps. Je crois que j'avais que Noé en plus à l'époque, mais ça m'avait grave marqué. La maman avait dit que pour les serviettes de bain, elle prenait des couleurs différentes pour éviter qu'il y ait des chamailleries de non c'est ma serviette, non c'est pas la mienne. Quand ils la mettent à étendre, de se dire ah mais en fait c'est qui l'a utilisé avant moi, est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Et surtout surtout, bon là ils sont encore petits, ils font attention mais pour plus tard, s'ils m'en font tomber une par terre, après c'est toujours ah bah c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas la mienne. Là au moins, ils ont chacun leur couleur, leur serviette et ils gèrent leur serviette. S'il y a une serviette marron qui est par terre, on saura que c'est Noé. S'il y a une serviette bleue qui est par terre, on saura que c'est Maddy. Bref, donc du coup, voilà, ils ont ces deux couleurs-là.
Comme je vous ai dit, Aiden est encore avec ses capes de bain, mais il va passer à une couleur aussi à un moment donné. Comme ça, chacun a les siennes, on se mélange pas, on se dispute pas. Et puis en plus, elles sont super jolies. Enfin voilà, après de toute façon, ça sera caché dans les paniers, donc ça se verra pas. Mais voilà, au moins, on différencie bien. Et même pour eux, je pense qu'ils sont contents d'avoir leur propre serviette, parce que là, pour l'instant, on se mélange tous entre nous. On prend la première qui vient et on se sèche avec, donc ça va, c'est pas la mort, hein, y a pire dans la vie. Mais pour eux, je pense que c'est cool de se dire, bah, si ma serviette, elle est calme, moi personne l'utilise, surtout tout ce qui touche à l'hygiène, c'est toujours mieux d'avoir que son truc là. Donc voilà, ils ont leurs petites affaires. Là je vais tout enlever, donc les trucs en carton comme ça, les bouts de plastique qui les tiennent ensemble, et je vais tout laver séparément pour pas que les couleurs dégorgent, puisque c'est tout neuf, je sais pas si ça va dégorger ou pas. Et on m'a donné une astuce, alors je sais pas si elle est bien ou pas, de laver pour la première fois ces serviettes avec de l'eau froide. C'est ce qui fait qu'elles vont devenir un tout petit peu plus rêches et du coup vont bien vous sécher, parce que c'est vraiment ce que je voulais, absolument avoir des serviettes quand vous le passez sur la peau, ça sèche pas, ça laisse une pellicule mouillée. Enfin, ça c'est vraiment les serviettes de mauvaise qualité. Et du coup il y avait une fille qui m'avait dit de regarder le grammage, et c'est aussi pour ça que j'ai pris celle-ci, parce que du coup elles sont à 550 GSM, et elle m'avait dit de prendre au minimum 450. Donc là voilà, apparemment il y aurait 100 de plus, je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais c'est ce qui fait qu'apparemment les serviettes seraient de meilleure qualité. Donc voilà, let's go enlever tout ça et les passer à la machine. Je ne l'ai pas fait pour les grises, mais pour les autres couleurs, j'ai mis une lingette décolorante dedans pour voir si ça se décolorait, et j'ai bien fait, puisque pour les bleus en tout cas, la lingette est ressortie bleue. Pour les marrons, non, mais ça c'est vraiment bien de le faire avec vos habits qui sont neufs, les faire laver seuls en mettant une lingette, et comme ça vous allez voir de suite si c'est un produit en fait qui va vraiment déteindre. Pour éviter d'avoir des surprises dans la machine à laver, sachez que ce genre de vêtements en fait qui déteint au bout de 3 à 4 lavages, c'est bon, vous pouvez les laver avec les autres habits. Et du coup, je vous ai embarqué avec moi à Action, chez Jisc et à Jiffy pour voir un peu tous les produits d'organisation, les boîtes. Je vous montrerai aussi chez Jiffy 2-3 trucs pour les enfants, pour les décorations d'anniversaire, enfin tout ce qui touche à peu près à ma chaîne, pour que vous puissiez voir quelques prix et que peut-être ça vous donne des idées, voire des envies d'achat.
Là, on se retrouve le lendemain. Du coup, toutes mes serviettes sont sèches. Donc, du coup, je vais les trier par couleur pour ensuite pouvoir les rouler. Puisque je ne les plie pas, je les roule. Je trouve que c'est le plus simple vraiment pour ranger les serviettes. D'ailleurs, dites-moi, vous, votre technique. Et ensuite, je vais les ranger dans mes grands paniers que j'ai trouvés chez B&M pour pouvoir faire ce dont je vous ai parlé. En fait, un panier pour chaque enfant avec sa propre serviette de couleur. Et puis, pour Walid et moi, on va prendre les grises. Et ça, par contre, on se partage un panier. I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low-key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why ain't gravity pulling you in closer to me, I've lost you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. But I need you. Voilà pour les paniers des enfants. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont à peu près les mêmes produits, ils ont tout pareil, mais j'ai préféré séparer en deux parties puisque déjà le matin quand ils se préparent ensemble, il faut toujours attendre que l'un est fini et puis après l'autre. Mais c'est surtout, en fait c'est une idée que j'ai eue, dites-moi si je me trompe, les mamans qui ont plusieurs enfants, j'avais vraiment envie de faire des paniers séparés pour les séparer, en sachant qu'en plus je n'ai que des garçons, j'ai pas envie qu'ils pensent qu'ils sont, comment dire, la même chose. Et j'ai vraiment envie de séparer, et d'autant plus comme je vous disais, les choses intimes et d'hygiène telles que les serviettes, les gants, etc. Déjà pour la praticité au niveau de la couleur, mais surtout pour eux d'avoir son panier, dire c'est mon panier, c'est mes affaires. Alors certes c'est les mêmes produits puisque du coup j'avais envie de les tester, donc je leur ai pris pareil, puisque quand on fonctionnait à un produit, forcément par exemple la crème, j'allais en prendre un pot et chacun allait prendre dedans. Donc là j'ai pris deux fois la même et je me suis dit comme ça peut-être ça leur fera plaisir. De se dire c'est mon panier, c'est ma crème de cheveux, même si en soi c'est la même que le frère, mais c'est à moi, c'est mon produit à moi, c'est moi qui gère le stock entre guillemets, surtout pour Noé, bon on m'a dit un peu moins, mais voilà, de se dire que c'est leur produit. Les deux seules choses qui diffèrent, ça va être ce sérum que j'ai pris pour Noé, qui a les cheveux beaucoup plus secs que Maddy, puisqu'ils n'ont pas du tout la même texture. Donc vu qu'il a les cheveux plus secs, j'ai préféré lui prendre un soin vraiment plus profond pour ses cheveux. Donc j'ai pris celui-ci. Et pour Maddy, je lui ai pris celui-là, puisqu'il sent la banane. Et que moi, c'est des produits que je leur mets sur les cheveux, mais que je rince pas. Donc l'odeur va rester, et l'odeur de banane fait quand même un peu plus petit enfant, donc je pense que Noé il aimerait bien cette odeur, mais Noé il est déjà dans les parfums qui sentent un peu l'homme, il a eu un parfum Adidas pour Noël, etc. Donc il est un peu plus dans les choses de grand, et il m'a dit forcément il est plus petit, donc il est dans les choses de petit, et l'odeur de banane comme ça qui sent le bonbon, ça fait plus petit, donc en l'occurrence plus pour Maddy. Je leur ai mis chacun un dentifrice de rechange de stock
à l'intérieur de leur panier, comme ça, dès qu'ils ont fini, parce que ça, depuis, de toute façon, depuis le début, ils ont leur propre dentifrice, ça c'est toujours quelque chose qu'ils n'ont pas partagé, puisqu'ils n'ont pas le même âge, et du coup, bah, les dentifrices ne sont pas les mêmes. Mais voilà, pour leur petit panier. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? Et enfin, dernière organisation, ça va être la boîte pour les cris des enfants. Donc c'est celle que j'ai trouvée chez Jiffy, je l'ai nettoyée puisqu'elle était sale. Je me suis préparé une petite étiquette, donc si jamais ça vous intéresse, je vends ce type d'étiquette sur ma boutique Etsy. Et donc je l'ai collée sur la boîte. Ce que j'aime bien avec cette boîte, c'est que déjà elle se fond dans le décor, vous allez voir après. Mais surtout, elle se ferme, donc c'est vraiment pratique pour pouvoir mettre leur éponge, leur craie, sans que ça déborde dans tous les sens. Parce que le problème des craies, et c'est ce qu'ils m'ont fait, c'est de les faire tomber, après ça s'effrite, il y a mille et un morceaux. Là au moins dans la boîte, il n'y a pas de problème, et surtout elle ferme, donc ça ne fait pas moche. Et comme je vous ai dit, bah, elle se fond dans le décor, vous allez voir juste après. Du fait que je l'ai prise en beige, on ne la voit même pas trop en fait de loin. Bon, du coup voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que ça vous aura motivé. Je sais que tout ce qui est organisation, vous adorez mettre dans les boîtes et tout, et moi-même c'est le genre de vidéo que j'aime trop voir parce que ça motive à fond. Et moi-même bah, je réorganise plusieurs choses, il y a des fois des choses où je me trompe et je me dis ah bah finalement ça aurait été mieux comme ci ou comme ça. Donc si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas. J'espère vous avoir donné plein de petites idées. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous.